لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette cinquième partie de notre leçon Addition et soustraction des nombres rationnels, et dans le paragraphe Additionner plusieurs fractions, calcul avec des parenthèses, on va corriger les exercices de la page 28. Donc, voici l'exercice 17, page 28. Ahmed dispose d'argent de poche. Il dépense le 2/3 pour acheter des livres et le quart pour l'achat d'un jeu vidéo. Quelle fraction de cette somme représente l'ensemble des dépenses? Donc ici, il s'agit d'une addition. Hein? Donc on va additionner ces deux fractions. Donc la première question, on va dire que 1/4 plus 2/3. Donc ici, on va utiliser la règle d'addition. 1 fois 3 plus 2 fois 4 ou bien 4 fois 2 sur 4 fois 3 égale à 3 plus 8 sur 12 égale à 11 sur 12. Quelle fraction de cette somme représente ce qui lui reste? Ce qui lui reste de quoi? De l'argent dont il dispose au départ ou bien dont il a au départ. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout l'argent qu'il a, l'argent de poche qu'il a au départ, on l'appelle comment? On l'appelle aussi l'unité. Donc, on peut la représenter par 1 ou bien 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, etc. On l'appelle l'unité. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pour la fraction de cette somme représente ce qui lui reste. Donc on va dire l'unité 1 moins ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé, 11 sur, c'est-à-dire la somme des dépenses, 11 sur 12 égale, donc le 1, ça c'est l'unité, toujours la somme ou bien ce qu'on a partagé ou bien ce qu'on a fractionné si vous voulez, donc on l'appelle toujours l'unité. Donc ici, 1, on peut le représenter par 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 1, suivant le cas qu'on a. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut écrire 1, c'est 12 sur 12. Donc 12 sur 12, non, je m'excuse, 12 sur 12, je vais les mettre au même numérateur. Donc moins 11 sur 12, égal à 1 sur 12. Donc voilà. Donc, on passe à l'exercice suivant. Dans une classe de 15 garçons, édifie les 3/4 des garçons et les 3/5 des filles ont obtenu la moyenne au contrôle de mathématiques. Donc, quelle est la fraction de la classe qui n'a pas obtenu la moyenne? Donc, ici, c'est une question qui est un peu, je ne vais pas dire compliquée, mais qu'il faut, on va répondre en suivant plusieurs étapes. La première, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord trouver le nombre des personnes ou bien des élèves qui ont obtenu la moyenne. Et après, on va trouver la fraction de la classe qui n'a pas obtenu la moyenne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ici, on a 15 garçons et 10 filles. Les 3/4 des garçons. C'est quoi les 3/4 des garçons? C'est-à-dire 3/4 fois le nombre des garçons. Le 3/4 des garçons. Fois 10. Fois 15. Plus 3/5 des filles. 3/5 des filles. 3 sur 5 fois 10. Ça, c'est quoi? C'est, on va calculer le nombre des élèves
qui ont obtenu la moyenne. Maintenant, si on calcule cette expression, on va obtenir le nombre des élèves qui ont obtenu la moyenne. Donc, 3 quarts des garçons, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 4 et on multiplie par 15, on va, ou bien on va multiplier par 15 et on divise par 4. Mais ce n'est pas grave, n'oubliez pas que A sur P fois C, on va voir ça dans la multiplication, donc A fois C sur P. Donc, c'est ça ce qu'on va appliquer ici. 3 fois 15, ça va donner 40, 40, 45. Oui, 45 sur 4, plus 30 sur 5, égal. Ici, on peut simplifier par 5. Donc, on aura 45 sur 4, plus, si on simplifie par 5, on aura 6, 6 sur 1. Et maintenant, on va les mettre au dénominateur. On aura 45 sur 4, plus, ici, on va simplifier, on va les mettre au dénominateur. On va multiplier par 4, et par 4, on aura 24 sur 4. Maintenant, on va faire la somme. 45 plus 24, ça va donner 69. 69 sur 4. Mais je crois ici qu'il y a un problème parce que ce nombre-là doit être un entier, hein? Il doit être un entier. Donc, il y a un problème ici. Donc, Pinchimushki, 9 les données. Donc, Hadar un entier. Parce que c'est le nombre des personnes. Il doit être un entier. Alors, ce qu'on voit là-dedans, lui, quand je fais la virgule, il n'y a pas de virgule. Donc, pas de problème. Donc, ici, supposons, qu'il y a 68, par exemple. Donc, on va supposer qu'on a trouvé 68. 68 divisé par 4, ça va donner combien? Donc, je crois 16. Bien. Donc, on va supposer qu'on a 68. 68 divisé par 4, on va trouver, je crois, 16. Bien. Donc, on dit qu'on a 16. 16 personnes qui ont obtenu la moyenne. Qui ont obtenu la moyenne. Donc, la classe, il y a combien de personnes dans la classe? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver la fraction de la classe qui n'a pas obtenu la moyenne, on va calculer le nombre des personnes qui n'ont pas obtenu la moyenne. Donc là, les personnes qui ont obtenu la moyenne, c'est 16, par exemple. Donc on va le retrancher, ou bien on va le soustraire de la somme des élèves. Donc la somme des élèves, elle a 15 plus 10, on va moins 16. Donc, on aura le nombre des personnes qui n'ont pas obtenu la moyenne. Donc, 15 plus 10, ça va donner 25. Donc, 25 moins 16. Donc, moins 16, ça va donner, je crois, 9. Il y a 9 personnes. Et 9, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 9 et on va le diviser par le total. Donc, le nombre ou bien la fraction de la classe qui n'a pas obtenu la moyenne, c'est le nombre des personnes qui n'ont pas obtenu la moyenne sur le nombre total des élèves dans la classe. Donc, c'est-à-dire 9 sur 15 plus 10, c'est-à-dire 25. 9 sur 25, c'est ça. Donc, pour ce qui concerne la fraction, c'est pas grave si on a bien sûr la fraction toujours. C'est un nombre décimal, il peut être un décimal, mais le nombre des personnes doit être un entier. Donc, on passe à l'exercice suivant. Ici, l'exercice 20. Je crois que l'exercice 19, c'est pareil. Donc, ici, pour ce qui concerne l'exercice 20, on va compléter le tableau suivant. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? 8 fois 2, on va le mettre ici. 8 fois 3, 8 fois 4, etc. On aura ce tableau. Donc, regardez, on aura cette chose-là. 8 fois 2, donc j'ai complété le tableau. Donc, qu'est-ce qui reste? Calculer ces expressions. Donc, on va se servir de ce tableau-là. Comment?
vous allez constater qu'ici on va ça ce tableau-là va nous permettre de chercher ou bien de trouver un dénominateur commun, le dénominateur commun entre 8 et ou bien un multiple commun de 8 et 12 pour avoir le pour déterminer le dénominateur commun. 8 et 12, regardez, 8 et 12, on va chercher ces nombres-là, ce sont des multiples de 8. Ces nombres-là, cette liste-là de nombres, ce sont des multiples de 12. Et cette liste-là, ce sont les multiples de 18. Ce n'est pas tous les multiples, bien sûr. Quelques multiples. Donc, ici, 8 et 12, regardez. Un multiple commun. Comment on va chercher un nombre qui est multiple de 8 et multiple de 12 à la fois. Donc, vous allez constater que 24, regardez. Donc, 24 est un multiple commun de ces deux nombres. Donc, voilà, regardez, 24 est un multiple commun. Il y en a d'autres, je crois, parce que 48, mais celui-là, on l'appelle le plus petit multiple. Donc, comment on a trouvé A? Comment on a trouvé 24? On a multiplié 8 fois 3. Comment on a trouvé 24? On a multiplié 12 par 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va multiplier 8 fois 3 et 3 fois 3. Donc, on aura A, par exemple, est égal à quoi? 3 fois 3, 8 fois 3. Plus 7 sur. Non, ici on va multiplier 12 par 2. Donc ici on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc ici 12 par 2. Regardez, on a le dénominateur commun. Et après on va effectuer cette opération-là et celle-là, ce produit-là. Et on va faire la somme, tout simplement. C'est ça l'idée. Hein? L'effet. Donc pour B, regardez, 12 et 18. Regarde, voilà les multiples de 12, voilà les multiples de 18. Donc, un multiple commun, c'est quoi ici? Regarde, 12 et 18. Donc, voilà, un multiple commun, c'est 36 et voilà, 36. 36 est un multiple de 12, 36 est un multiple de 18. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, comment on a trouvé 12? Comment on va trouver 36? Pour ce qui concerne 12, on a multiplié par 3. Ici, on va multiplier par 3. Donc, pour ce qui concerne B, c'est quoi? On va considérer B égal. Donc, B, c'est quoi? On va multiplier par 3 par 3. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? 12 et 18. Voilà, on a multiplié 12 par 3. Donc, on va écrire 5 fois 3, 12 fois 3. Moins, ici, on va multiplier par quel nombre? Ah, 2. Donc 11 fois 2, 12, 18 fois 2. Donc regardez, ils ont le même dénominateur commun. Donc c'est très facile. Ah, ici 8 et 18 et 12. C'est comme ici, encore. Regarde, 8 et 18 et 12. L'idée ici, c'est comment déterminer le dénominateur commun. Donc voilà un dénominateur commun. On va chercher un nombre qui est multiple de 8, multiple de 12 et multiple de 18. Regardez bien. Il y a un nombre qui est. Donc vous allez constater que 60, 72, regardez, 72, voilà, est un multiple de 18, est un multiple de 12, est un multiple de 8. Comment on a trouvé ici? Pour ce qui concerne 9 sur 8, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par quel nombre? Par 9. Donc aussi, on va multiplier par 9, ici par 9. Ici, pour ce qui concerne 18, comment on a trouvé 72? On a multiplié par 4. Je vais multiplier par 4 fois 4. 12. Ici, pour ce qui concerne 12, je vais multiplier par 6. Je vais multiplier par 6. Donc, regardez. Donc, et on va. Donc, pour ce qui concerne. 12, voilà. 6. Pour ce qui concerne 12, on va multiplier par 6. On va avoir 72. Ici, la même chose. Et les calculs, c'est très simple. Hein. Maintenant, on passe à la question ou bien à l'exercice 20, 21. Ici,
Ici, on va utiliser la règle qui est importante, c'est-à-dire l'exercice 21, regardez. On a et la somme, ou bien, oui, la somme de plusieurs nombres. Ici, vous avez la somme de plusieurs nombres rationnels. Regardez, mais vous allez constater qu'il y a des nombres qui ont le même dénominateur. Hein? Donc, on va regrouper les termes qui ont le même dénominateur, ou bien les nombres qui ont le même dénominateur, comme celui-là, moins un demi, moins un demi, moins un demi, le un tiers, le un tiers, le un tiers. Moins un quart, avec le moins un quart, etc. Plus un cinquième. Donc ici, on va regrouper seulement. Donc moins un demi. On va écrire autrement. Donc moins un demi. Donc on va compter. Donc moins. Combien de moins un demi? Regardez. Moins un demi. Plus un tiers. Plus un tiers. Plus un tiers. Donc moins un demi. Moins un demi. Moins un demi. On a trois. Le voilà, un tiers, le voilà, un tiers, un tiers. Voilà. Donc, moins un quart, moins un quart. Donc, regardez, moins un quart, moins un quart, plus un cinquième. C'est tout. Donc, ces nombres-là, vous avez moins un demi, moins un demi, ils ont tous le même dénominateur, moins un, moins un, moins un, ça va donner moins 3 sur 2. C'est ça? Donc, après, qu'est-ce qu'on aura? Un tiers plus un tiers plus un tiers, ça va donner 1. Parce que 3 sur 3, ça va donner plus 1. Quoi encore? Moins un quart, moins un quart, ça va donner moins 2 quarts. Moins 2 quarts, moins 2 quarts, c'est-à-dire moins un demi. N'oubliez pas que moins un quart, ça va donner moins 2 quarts, c'est-à-dire moins un demi. Quoi encore? Plus un cinquième. Donc maintenant, on va. Oh, ah, ces deux-là, ils ont le même dénominateur. Donc moins 3 demi, moins 1 demi. On va encore écrire moins 3 demi, moins 1 demi. Ça va donner moins 4 demi. Moins 4 demi. Donc moins 4 sur 2, ça va donner moins 2. Ces deux nombres-là, ils vont donner moins 2. Donc moi, je donne les idées, hein. Moins 2 plus 1. Plus 1 sur 5. Moins 2 plus 1, ça va donner moins 1. Donc, ça va donner moins 1 plus 1 sur 5 égale. Donc, moins 1. C'est quoi moins 1? C'est moins 1, je peux l'écrire moins 5 sur 5. Donc, je peux écrire ici moins 5 sur 5. Moins 1, c'est moins 5 sur 5 plus 1 sur 5 égale. Donc, ici, ça va donner moins 4 sur 5. Moins 4 sur 5. La même chose ici. Hein? La même chose, mais je vais quand même répondre à C, donc, parce que il y a encore d'autres idées qu'il faut bien maîtriser ou bien. Donc maintenant C, regardez. Donc C, vous avez C égal. Donc ici, je vais d'abord simplifier moins quart sur moins 4 sur 12. Je simplifie par 4 d'abord. Donc j'aurai moins 1 sur 3. Je vais simplifier par 3. Donc avant d'effectuer les calculs, il faut d'abord simplifier. Ça sera très facile. Plus 1 sur 5. Ici, rien à simplifier. 4 sur 25. Plus, je vais simplifier par 5. 1 demi. Je vais simplifier par 7. Moins 2 sur 5. Je vais simplifier par 8. Moins 1 sur 3. Je vais simplifier par 11. Je vais avoir moins 1 demi. Je vais encore simplifier par. Vous allez constater que 78. Vous pouvez vérifier ça. Hein? On peut diviser par 13. Donc, on va simplifier par 13. Moins 1 sur. Donc 78, si vous la divisez par 13, c'est 6. Vous avez trouvé moins 1 sur 6. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc moins un tiers, on va regrouper les termes qui ont le même dénominateur ici. Donc moins un tiers, ça va donner moins 2 tiers.
Ici, 1 cinquième moins 2 cinquièmes, 1 cinquième moins 2 cinquièmes, ça va donner moins 1 sur 5. Moins 1 sur 5. Plus 4 sur 25. Ici, qu'est-ce qu'on a? 1 demi moins 1 demi, deux termes qui sont opposés. Moins 1 sur 6. Donc maintenant, on va regrouper ces termes-là, moins 2 sur 3 et moins 1 sur 6, parce qu'on peut les mettre facilement au même dénominateur. Moins 2 sur 3, moins 1 sur 6. Et après, on a moins 1 sur 5, plus 4 sur 25. Donc ces deux-là, je peux les mettre au même dénominateur. Je vais multiplier par 2, je vais avoir moins 4 sur 6. Moins 1 sur 6. Ici, je vais multiplier par 5, moins 5 sur 25, plus 4 sur 25. Ici, j'aurai moins 5 sur 16, 6. Ici, moins 5 plus 4, ça va donner moins 4 sur 25. Et finalement, c'est très facile maintenant. Je peux utiliser la règle. Ce qu'on a vu, moins 5 fois 25. Donc, moins 5 fois 25, moins 6 fois 4 sur 6 fois 25. Donc, j'ai utilisé la règle de soustraction. A moins A sur B moins C sur D égale à AD moins BC, le tout sur BD. C'est ça ce que j'ai utilisé ici. Donc, moins 5 fois 25, ça fait moins 125, moins 24. Donc, ça fait moins. Et on va faire la somme, bien sûr. Ici, donc c'est très facile. Et vous pouvez continuer. Et c'est tout pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 22, ça nécessite un peu de réflexion. Donc, A et B sont deux nombres rationnels tels que A sur 48 moins B sur 30 est égal à 1 sur 6. Calculez A moins 8B sur 5. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Je vais multiplier ces deux membres par 48. Donc, je vais écrire donc. Je vais multiplier ici par 48 et ici par 48. Donc 48 fois A sur 48 moins B sur 30 égale à 48 fois 1 sur 6. Donc regardez ici, je vais développer. Donc j'aurai 48 fois A sur 48 moins 48 fois B sur 30 égale à 48 sur 6. Donc ici, vous allez constater qu'on peut simplifier par 48. Ici aussi, on peut simplifier par 6. Si je simplifie par 6, d'ailleurs ici, vous pouvez dire 48 fois B sur 30. Donc, on aura A moins. Ici, je vais simplifier par 6 et j'aurai 5 fois B. Je m'excuse. 5 fois B, c'est-à-dire 5B sur. Non, si je simplifie par 6, j'aurai 8. Je m'excuse. 6, ici, j'aurai 8B. Ici 5. Ici 48 divisé par 6, ça va donner 8. Donc regardez, c'est ça ce qu'on aura. Et c'est tout. On passe à l'exercice suivant. Donc pour ce qui concerne l'exercice 28, regardez l'exercice, non, l'exercice 23, page 28. Recopier et compléter. Donc ici, on va considérer ici comme si on a des équations. Hein, x, on va chercher le x. Donc ce sont des équations de premier degré. C'est très simple. Donc l'idée, c'est la même ici.
On va corriger la première et la deuxième. Le reste, c'est très facile. Donc, pour trouver x, on va appliquer cette règle-là. X plus a égale à b. Donc, c'est quoi x? X, c'est b moins a, tout simplement. Donc, maintenant, regardez, on a 3 sur 8 plus x égale à moins 5 sur 8. Donc, le x, comment on va le trouver? C'est moins 5 sur 8 moins 3 sur 8. Donc, ils ont le même dénominateur. On a moins 5 moins 3, c'est moins 8. Donc, ça va donner, regardez, x égale moins 8 sur 8. Et on simplifie par 8 et on aura x égale à moins 1, tout simplement. Maintenant, on passe à la deuxième question. Ici, on a moins 4 sur 7 moins x égale à 3 sur 7. Donc, regardez, nous on cherche x. Donc ici on aura moins x égale à 3 sur 7 moins, faites attention, 3 sur 7 moins 4 sur 7. Donc égale à quoi? À 3 sur 7 plus, donc on va transformer la soustraction en une addition, plus, donc on aura 3 sur 7 plus 4 sur 7 moins x. Donc, moins x égale à quoi? À 7 sur 7. C'est-à-dire, moins x égale à 1, je simplifie par 7, et x égale à moins 1, tout simplement. Donc, le reste, c'est la même chose. Donc, on passe à l'exercice 24. L'exercice 24, toujours page 28, regardez, calculer x, sachant que, ici, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver x. Donc, on va d'abord regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre tous ces nombres au même dénominateur. Regardez, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 12x. 12x, le dénominateur commun. Ici, comment on va avoir 12x? Comment on va avoir 12x? On va multiplier par 6x. Donc, on aura donc 6x. Regardez, on aura le premier, on aura 6x sur 12x, moins, ici, comme on aura 12x, on va multiplier par 4x, donc 4x sur 12x, ou encore, on va multiplier par 12, plus 12 sur 12x, ici, on va multiplier par x sur 12x, égale à quoi? 1 sur 3, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, 1 sur 3, on va multiplier par 4 aussi, donc 4x. Donc 4x, ici sur 12x. Et après, bien sûr, on va se débarrasser de le dénominateur commun. Ici, c'est comme si on a 6x moins 4x maintenant, plus 12 moins x, le tout sur 12x est égal à 4x sur 12x. Ici, c'est comme si on va multiplier par 12x ici, 12x, donc on va se débarrasser du dénominateur commun. Donc, d'ailleurs, l'égalité de deux nombres, s'ils ont le même dénominateur commun, alors les numérateurs sont égaux. Donc 6x moins 4x, ça va donner combien? Ça va donner 2x. 2x moins x, ça va donner x. Donc x plus 12 égal à 4x. Donc je vais déplacer 4x ici, on aura x moins 4x égal à 12, à moins 12, je vais déplacer 12 ici, donc on aura moins 3x est égal à moins 12, donc, je vais finir ici, donc je vais continuer ici, donc x égale moins 12 sur moins 3, x est égal à, je vais simplifier par le signe moins, et aussi 12 sur 3, ça va donner 4. Donc le nombre qui manque, c'est 4. Maintenant, on passe à l'exercice, à notre exercice 25. Regardez l'exercice 25. On va essayer de répondre, mais il faut faire attention au calcul, bien sûr. Donc, regardez. A et B et X sont des nombres rationnels simplifiés. La question, c'est de simplifier. Donc, je crois qu'on va uniquement faire la deuxième question.
parce que c'est plus difficile que la première. Ça y est? Donc regardez, B. B, ici il s'agit de quoi? Ici on a un calcul avec des parenthèses. Qu'est-ce que on va faire? On va d'abord supprimer les parenthèses. Ici on a une parenthèse qui est suivie d'un signe plus. Donc on va uniquement supprimer les parenthèses sans rien faire, c'est-à-dire on va pas changer de signe. Ici on a une parenthèse qui est précédée d'un signe moins. Ici on a une parenthèse qui est précédée d'un signe plus. Donc on va supprimer les parenthèses d'abord. On aura égal quoi? À moins 3a plus un quart ou bien le quart. Ici on va supprimer les parenthèses. On aura moins a sur 4 plus 1. Ici, on a la parenthèse précédée d'un signe plus. Je vais écrire ce qui est entre parenthèses. Moins A plus un tiers. Donc, je vais regrouper les termes qui ont le même. Ça, c'est le calcul littéral. C'est très important. Donc, moins 3A moins A, ça va donner combien? Ça va donner moins 4A moins A sur 4. Ici, on a un quart plus un plus un quart plus un plus le un tiers. Donc ici, on va factoriser par A. On aura moins quart moins 4. Ici, regardez, je vais écrire moins 1 sur 4 facteur de A. Donc regardez bien. Parce que A sur 4, l'idée ici c'est quoi? A sur 4, ce n'est que 1 sur 4 fois A. Donc faites attention, hein. C'est le 1 car ici vous avez 4. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre au même dénominateur. 1 quart, 1. Donc le dénominateur commun c'est 12. Donc j'aurai 3 sur 12. Plus 12 sur 12, plus 4 sur 12. Donc ils ont tous 12 au dénominateur. Ici aussi, je vais les mettre au même dénominateur. Je vais avoir moins 16 sur 4, moins 1 sur 4. A, ici, plus 3 plus 12 plus 4. Donc 12 plus 4, ça fait 16, plus 3, ça fait 19. 19 sur 12. Ici, moins 16 moins 1, ça fait moins 17. Moins 17 sur 4a, plus 19 sur 12, tout simplement. Et je vous laisse pour faire la première. D'ailleurs, B est un peu long et un peu compliqué que A. Alors, je vous laisse pour faire A. L'exercice suivant. C'est pas l'exercice suivant, mais la question suivante, parce qu'on est toujours dans le 25 ici. On va faire aussi D, parce que D est un peu compliqué que C. Donc ici, on a des parenthèses emboîtées, c'est-à-dire on a des parenthèses entre d'autres parenthèses. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais d'abord supprimer les parenthèses. Donc D, donc je vais écrire, regardez, on a D égale. Je vais supprimer les parenthèses, on aura x sur 2 moins x sur 3. Ici, je vais d'abord supprimer les parenthèses qui sont entre crochets. J'aurai 3 plus 3x sur 2 moins x sur 3 plus 1. Plus 1, donc plus 7x sur 2. Maintenant, je vais supprimer les crochets. Donc, x sur 2, moins x sur 3, moins 3, moins 3 demi x, plus x sur 3, moins 1, moins 7, x sur 2. Je vais voir, est-ce qu'il y a des termes à simplifier? Oui, moins 5 sur 3, plus x sur 3. Donc ici, regardez, x sur 2 moins 3 demi
x moins 7 sur 2x. Oh, je vais le regrouper. Donc on a x sur 2 moins 3 demi-x moins 7 demi-x. Ici, moins 3 moins 1. Moins 3 moins 1, voilà. Donc ici, je vais factoriser par x pour simplifier ces expressions-là. Donc je vais écrire 1 demi moins 3 demi moins 7 demi x, voilà, moins 4, égale, donc 1 moins 3 moins 7, etc. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Moins 9 sur 2x moins 4. Tout simplement. Donc, 26, l'exercice 26. Regardez l'exercice 26. C'est encore... Ça demande un peu d'intuition. Comment on va... Donc, les données sont de nombres, x et y sont de nombres rationnels tels que x plus y. Pourquoi x plus y différent de 0? Parce qu'ils sont au dénominateur. Le dénominateur doit être toujours non nul. X, y aussi, c'est non nul. Et x plus 2y. Donc, simplifier E et F. Regardez. Donc, regardez bien. Pour ce qui concerne E, qu'est-ce qu'on a? X sur x plus y plus etc. D'ailleurs, on a deux termes qui sont opposés. X plus y sur y. Et on a ici plus ici. Et non, moins ici. Donc, celui-là et celui-là sont opposés. X plus y sur y. Donc, je m'excuse. Donc, regardez. Et moins x plus y. Donc, ils sont opposés. Donc, je vais les supprimer. Ici aussi, regardez, on a x sur x plus y et y sur x plus y. Ils ont le même dénominateur. Regardez bien, ils ont le même dénominateur. Donc j'ai le droit, donc pour ce qui concerne e égale, j'ai déjà simplifié par celui-là. Donc x, donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x plus y, x plus y. Celui-là et celui-là. Leur somme, c'est celui-là, c'est ce terme. X sur y moins y sur... Faites attention, ici c'est l'inverse, c'est pas l'opposé. X sur y, c'est pas ici moins x sur y, pour simplifier. Donc faites attention. Donc ici, x sur y moins y sur x. Donc ici, bien sûr, ça va donner 1 plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la règle de soustraction, x fois x ça va donner x au carré, et y fois y ça va donner y au carré moins y au carré sur x, y égale, ici je vais donc on va mettre au même dénominateur, donc on aura x, y sur x, y, donc parce que x, y on a le droit parce que x, y est différent de 0. Donc on a xy sur xy plus x au carré moins y au carré sur xy. Donc je peux écrire finalement que je vais écrire ici, regardez bien, xy plus x au carré moins y au carré sur xy, tout simplement. Donc on passe à f, f. Aussi, regardez qu'est-ce qu'on va faire pour ce qui concerne f. Donc f, qu'est-ce qu'on a? Donc regardez pour ce qui concerne f. Donc je vais qu'est-ce qu'on a ici? X plus y sur x plus 2y. Regardez ce terme-là et celui-là, ils ont le même dénominateur. Donc, quoi encore? Celui-là et celui-là, ils ont le même dénominateur. Voilà, je vais regrouper les termes qui ont le même dénominateur. Quoi encore? Celui-là et celui-là, ils ont le même dénominateur.
Pour ce qui concerne f, regardez ce que je vais faire. Donc x, on a f égale, on a x plus y sur x plus 2y plus quoi? Y sur x plus 2y plus quoi encore? X plus 2y, celui-là encore, x plus 2y, donc je m'excuse, x plus 2y sur x plus y moins y sur x plus y. Quoi encore? Plus. Donc voilà, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc il reste celui-là et celui-là. Plus x plus y sur y. Faites attention ici, très 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 important. Voilà, y. Donc on verra ça, qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc regardez, x plus y plus, donc on aura x plus 2y sur x plus 2y. X plus y, ça va donner x plus y, c'est 2y. X plus 2y sur x plus 2y. Je vais écrire, oui, x plus 2y sur x plus 2y, ça va donner 1 après. Quoi encore ici, regardez, x plus y moins y sur x plus y. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on aura? On aura x plus y, faites attention, ça joue le rôle d'une parenthèse. Celui-là, ça joue le rôle d'une parenthèse. Donc, moins parenthèse x plus 2y. Donc, ça, on aura moins x moins 2y. Faites attention. Ici, qu'est-ce qu'on aura maintenant? Donc, ici, on aura 1, parce que x plus 2y plus. Ici aussi, on aura... Non, je m'excuse. Ici, c'est x plus 2y. Hein? X plus 2y. 2y moins y. C'est x plus y sur x plus y. Donc, on va avoir 1 aussi. Donc, ici, on va avoir 1 plus 1. Plus, quoi encore? Regardez, qu'est-ce qu'on va avoir. Hein? Regarde. Ici, y moins 2y, ça va donner moins y. Moins y sur y, ça va donner plus moins 1. On peut écrire n plus moins 1. Donc 1 moins 1. Et finalement, on aura 1 au résultat. Maintenant, l'exercice suivant, et c'est très 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 important. Donc vous allez suivre avec moi parce que hein, ici, on va utiliser bien sûr les règles qu'on a vues. La règle de lorsqu'on veut supprimer une parenthèse, bien sûr, vérifiez que ça, vous allez le vérifier, c'est très facile, parce que a plus b plus a moins b, on supprime une parenthèse, on aura a plus b plus a moins b. Lorsqu'on simplifie par moins b, on aura 2a. Ici, la même chose, on a a plus b moins a plus b. Si on supprime la parenthèse ici, on va changer les signes. Donc, a moins a et on aura 2b. Ici, on aura 2a, 2b, donc c'est correct. On passe à l'exercice 2. À la question 2, je m'excuse. A et b sont deux nombres rationnels tels que a plus b est égal à moins 5 sur 2, a moins b est égal. Déterminez a et b. Donc, regardez. Si vous avez a plus b, et a moins b, c'est 7 sur 4. Donc, pour trouver a, regardez. D'après ces égalités-là, si on a la somme de A et B et la différence, pour avoir A, on va utiliser celle-là. Donc on va dire, on a A plus, d'après la première question, on a A plus B plus A moins B égale à quoi? C'est égal à 2A. Donc A plus B, on l'a. Et A moins B aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire moins 5 sur 6 plus 7 sur 4 égale à 2A. C'est ça. Donc ici, on va les mettre en ordinateur. Je crois que le dénominateur commun, ou bien on va utiliser la règle. Moins 5 fois 4 plus 6 fois 7, ou bien on va les mettre au même dénominateur. Je crois que si on les met au même dénominateur, ça sera mieux. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On peut même mettre tout au même dénominateur. Donc ici, c'est quoi? On peut écrire ici, par exemple,
Donc, on va d'abord les mettre au milieu. On verra. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? 2 fois 6, ça fait 12. Donc, moins 10 sur 12. Plus, ici, on va multiplier par 3. 3, donc, ça fait 21 sur 12. Égal à 2a. Ça, c'est une équation d'inconnu. A, moins 10 plus 21, ça va donner 11. Donc, ça fait 11 sur 12 est égal à 2a. Donc, je peux les mettre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier, voilà, je vais multiplier ici par 12. Je vais avoir 11 sur 12 égale à 24a sur 12. Donc, ou bien d'utiliser l'égalité des nombres rationnels. Vous avez ici 1 sur A, vous pouvez multiplier 11 par 1 et 2A fois 12. Donc vous aurez 2A fois 12, ça fait 24A. Et 1 fois 11, ça va donner 11. Donc A est égal à 11 sur 24. Voilà A. La même chose pour B. On va utiliser cette expression-là pour trouver B. Donc l'idée c'est facile ou bien c'est clair maintenant. Donc je crois que... Donc je vais... Puisque c'est la dernière question. Donc A plus B moins A moins B la première question. On a C de B. A plus B c'est moins 5. Maintenant la différence. Tout à l'heure, on a fait la somme, maintenant la différence, c'est pareil, hein. Donc, moins 5 sur 6, moins 7 sur 4, est égal à 2b. Donc, ici, je vais multiplier par 2 encore, donc moins 10 sur 12, moins, je vais multiplier 21 sur 12, égal à 2b. Donc regardez ici, moins 10 moins 21, ça va donner moins 31 sur 12 est égal à 2b. Donc c'est-à-dire que 12 fois 2b est égal à moins 31. Donc 12 fois 2b est égal à moins 31. Donc 12 fois 2b, ça va donner 24b est égal à moins 31. D'où donc b égale à moins 31 sur 24. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 29.